support de téléphone. Alors il se fixe dans les ailettes via une tige. Et puis voilà, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à faire un petit trou pour passer le câble USB. Ici on appuie, ça écarte les pinces. Voilà, on resserre par là. On écarte comme on veut. Ici on a des petits patins, des petites lamelles en caoutchouc qui absorbent le téléphone, qui épousent la forme du téléphone, et qui sert d'amortissement et de maintien, ça fait grippe. Ça sert de maintien au téléphone. Il ne reste plus qu'à glisser le téléphone dans son emplacement et de serrer là. Terminé. Là, le téléphone ne bouge plus. Par contre, le fait qu'il soit désaxé, tout ça, ça pèse. Le support du téléphone, enfin la grille d'aération ne peut pas le tenir voilà comme ça. Donc on est obligé d'être embuté contre un objet en plastique dur qui ne bouge pas. Et puis il tremblote légèrement, pas trop. Après il faudrait voir en conditions réelles de circulation. Mais il est bien fixe, la boule d'inclinaison est bien serrée. Je sais pas trop. On peut l'incliner comme on veut, ça maintient, on peut le mettre droit, incliné vers le conducteur, vers le passager, vers le bas, vers le haut. Non, c'est très bien.